Salut tout le monde, c'est Kula Soutius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où qu'on va nourrir les geckos léopards. Ouais, donc mes geckos léopards. Ouais, eux de Sarko. Ouais. Enfin, elle a pas grand chose. Pourquoi il y a vraiment? Bon, elle a pas grand chose. Ça s'appelle des. C'est des vers géants. Des super. Mais on appelle ça des super worms, c'est des trucs vraiment éclatants. Ouais, je vais juste vous dire, c'est en mort en titien. Je parle, moi, j'ai une maison. Regardez. Quand même. Attends, je le trouve. Ok. Je suis en zoom, donc bouge pas. Tu vois, c'est bon. Oui, j'ai des chats chez moi, ça, j'ai pas vraiment d'animal, j'ai juste un chat. Regardez-moi ça. Là, elle voit l'ombre, c'est pas ça. Ben, il plutôt, parce que ça, c'est un mal. C'est quoi son nom? Ça, c'est Banana. Allez, viens l'attaquer! Yeah! L'île là dans sa gueule, je t'en fais les os. Oh là, vous voyez le bouffé, vous voyez sa petite langue? Il l'a déjà bouffé hyper vite. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Quoi. Je vais faire attention. Est-ce qu'on le voit là? Ah non, t'as changé ici. Non, c'est pas ici. Oh non, ça c'est un autre de mon terrain. Oh, je lui en donnais un gros. Oh, il est minuit, je fais le tour. Je te le vise. Regardez. Oh ouais, lui il est gros. C'est lui que j'ai essayé de donner hier. Ouais, ça c'est un autre de nos amis. Mais on est derrière de lui donner. On regardez vous comment c'est rapide. C'est hyper rapide, il veut pas genre s'en faire manger. Il sait les grenouilles qu'on donne des petites bébites puis des petites mouches. Puis ouais, c'est des. Dans... Oh boum, vous l'avez vu, elle l'a pris par la bouche. Le petit morceau de. Est-ce qu'il y a pas longtemps que t'es avec Arco? Ouais, aussi j'en ai un autre, c'est un de mes geckos tropicaux. Mm-hmm. On va faire dans la vidéo, mais ensuite après on pourra peut-être faire une autre vidéo sur la présentation de. Ben des. Mes dendrobates. Ouais, regardez, vous savez, un autre bon gros. Pour l'instant, vous savez pas c'est quoi probablement des dendrobates. On va vous le montrer. Dendrobate ou dendrobate? Dendrobate, un B. Ben, bat. Dendrobate, ouais, avec un. On va vous le montrer dans une autre vidéo. Parce que vous savez pas c'est ça. Quoi. C'est un secret. Ouais. Enfin, c'est pas un secret, celui-ci. Ah, oh, ben, le gros, il y a déjà plus fun, quoi. Non. Je pense pas. Ben, lâche-le. Ok, ouais, elle veut. Non. Ok. Bon, c'est pas ce vrai. Que je vais faire, je vais essayer de le reprendre, je vais le mettre dans son terrarium. Moi je bouge pas, j'attends. Donc là j'ai juste dézoomé un peu parce que ça va être un peu plus compliqué. Oh, vous voyez, la qualité est peut-être un peu meilleure de celui quand on zoome, mais c'est pour zoomer, c'était pour vraiment vous voyez. Ouais. Mais là je dézoome, on voit très bien aussi. Bon là, mon but là, c'est qu'il embarque sur ma main pour qu'ensuite je l'enlève. On mettrait bien un super worm dans ta main, sauf il va mordre. Ouais, ça mord en titi, mon père s'est déjà fait mordre par ça. Ça saignait pas quand même? Non, mais tu sais, les crocs, c'est assez gros. Tu sais, pourquoi il faut voir mes pieds? J'aime les pieds. Non, viens ici. Oh, maudit, t'as fait trop de ok, ah oui, bon. On aurait bien voulu. Il y a aussi une femelle, Cléo. Ouais, mais je pense que je peux la sortir. Moi, je vais la mordre. Non. Comme ça, on aurait bien voulu. Mais elle a pas l'air de vouloir. Ben, je peux la sortir. Non, elle est grosse, elle a l'air d'avoir des bébés. Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Checker la grosseur de sa queue. De son corps. Regardez la grosseur de la queue. Checker la grosseur de l'autre. Ouais, elle a l'air de ta ouais. Je parais lui en donner. Oh non, mais elle est vraiment grosse. Non, c'est clair. Là, elle a genre son corps qui est même pas droit. Il y a une place qui est plus grosse. Mm. Donc, il y a enceinte. Ouais. On n'a déjà pas peur quand il va revenir. Oh merde, j'ai cassé le pot des soupes. Moi, je demanderai à ton père quand il va revenir. Attendez, regarde. Je demanderai à ton père quand il va revenir si elle est enceinte, parce qu'elle a vraiment l'air enceinte. Si vous voyez la grosseur, ouais. Je peux le nom, on le voit vraiment, mais vous ne le voyez pas très bien. Là. Checkez bien comment elle est vorace. Oh putain. Non, je le vois pas. Ouais, va en bas. Elle est déjà bouffée? Ouais. Mais elle va ici. Ouais, là, ils vont mieux la voir. Ok. Je l'ai envoyé. Elle l'attrape en vol. Oh, oh my god! Oh, vous voyez le jus sortir? C'est vraiment. Attends, c'est vraiment vorace, des gonzes. Non, mais ben, c'est surtout la femelle, le mâle, ça va, mais la femelle, elle punch. Ok, j'y retourne. Oh, putain. Oh là, elle a vraiment. Vous le voyez, elle attaque les pinces. C'est vraiment incroyable comment ça mange. C'est vraiment très très beau. Ouais, il y en a un autre, je vais juste vous le montrer vite, quoi, qui en mange pas. Mindy, Gecko à crête, tu as dit? Ouais, Gecko à crête. Ah, c'est bon le sort nocturne.
Donc ça c'est Tropico, t'as dit? Ouais, c'est Tropico. C'est un gecko de Madagascar. Ouais, t'en sors vraiment. Le tête en rond. Donc ça dans le fond, c'est... Eh non mais ça serait cool qu'on voit son dos, mais c'est pas grave. Là il est planqué. Je sais pas si on réussira à lui en donner. Mmh. On essaie encore de lui donner du Super Worms. Une belle... Ouais, monteur, le terrarium. Non, ben... Le terrarium, c'est vraiment le même. Là, je vais vous montrer, vous voyez ici. Je vais zoomer. Un peu plus pour une fois que le zoomer nous montre, parce que j'ai découvert ça dans l'autre vidéo. Oui, par contre, là, je vous dis, s'il s'échappe, on meurt. Il s'est déjà échappé une fois, il était... On était définitivement foutus, on le retrouve. On aurait ça là. Mais là, c'est dangereux, hein. J'ai peur qu'il sorte, parce que dès que je peux faire ça, il peut tomber à terre. Qui se casse. Mais il va sortir. Est-ce qu'on met un pot en dessous? J'en mets un pot en dessous. Non, viens à ma place, puis moi je vais aller à ta place. Sur son pied, tu mets un pot en dessous, c'est comme ça, s'il tombe, il tombe dans le pot, puis tu vas reprendre. Ouais. Sur ça, c'est très très facile. Quand il vient se planquer, c'est que c'est compliqué. Bon, ok, là, vous. J'ai peur qu'il sorte. Non, il va pas sortir. Ok, tu vas juste lui donner de même. Ouais, c'est ça. Arrête. Pas un trop gros parce qu'elle est naze. Ah, lui, il l'a bien. Elle va juste avancer sa tête. Montre-moi. Oh, putain de merde. Putain. Elle a sa, truc dans le... sa patte dans le vide. Attends. Ouais, elle parce que c'est une femelle. On l'a appelé Arco comme le Pokémon. Oh, elle l'a... Oh non, il est tombé! Il est sur le bord! Elle est grand. Il est juste en avant d'elle. Ah, il va sortir. Non, non, il est sur le bord, on le voit! Oh non, on le bloque! Oh non! Bloqué! Oh non, mais le Super Warm View! Non, ok, fais pas de bruit. Parce que ça, c'est des lézards qui peuvent perdre leur queue. Ok, on va voir si elle veut toujours. Sérieux, le Super Warm, il est dedans! Ah non, tu l'as pris? Ouais, je l'ai. Tu l'as pris, lui, qui était sur le bord? Oh, ouais. Tu me dis, tu veux déjà chercher le vieux pot de Super Worms? Non, ça va être trop compliqué à prendre. Mais ça va là, Arco il est correct, il s'est peut-être échappé. Il y a peut-être un peu peur. Oh putain le merde! Le truc il a tourné quoi. Mais je pense qu'il y a peur. Ouais. Elle a peur. Attends. Pardon. Oh putain une merde! Non, elle s'en va! Attends. Bordel. Là vous voyez, vous trouvez... Oh c'est malade, c'est super beau. Oh mais super doux. C'est super rapide. Là je sais... C'est super rapide. Okay. Attends, putain de merde! J'ai touché! Reste, non! Okay. Oh, putain, c'est doux! C'est doux, mais putain, rentre! Oh my god! Oh, mais je vous dis, c'est super rapide! Oui, non, mais moi aussi, elle m'a monté sa main! Ah, c'était super, c'était drôle! Bon, on dirait que c'était comme de la sauce, c'est super. Oui, non, mais c'est à cause. Elle nous sautait-tu? Ah oui, hein, la grosse. Elle était carrément rendue en train de te sauter. C'était hyper drôle. Mais là, elle est un peu stressée. Voilà, elle a peur parce que. Mais là, on avait. Là, vous voyez qu'il y a un sofa. Là, je dis ça. Il y a un sofa, mais il était rendu en dessous, puis on a pris du temps pour la récupérer. Ouais. Mais là, vous voyez, elle est verte, mais là, elle va devenir un peu plus vert foncé vu qu'elle a eu peur. Mais ça va au moins parce que elle là non, c'est réussi parce que c'est ça, il fallait la bloquer sinon elle était tellement rapide. Donc est-ce qu'on l'arrête tout de suite la vidéo? Ben est-ce qu'on leur montre on est à combien de minutes de vidéo? Ben 8:40. Est-ce qu'on fait une autre vidéo ou on la monte? On va montrer nos C'est des grenouilles dans le robot. Ouais, avec un petit lézard qu'on voit pas. Non, lui ça va être galère. Donc il y en a un là, une là. Je zoome. Ça, vous voyez, il y a genre des pointus, genre, je sais pas si vous l'avez capté. Ouais, mais c'est genre le venin qui est dedans. Parce que ça s'appelle les phyllobates. C'est les dendrobates les plus venimeuses au monde. Donc ça, vous voyez que quand tu les touches, elles vous donnent une sorte de poison qui peut... Nous, on avait un requin de bouger. Ouais. Tantôt, on a vu un faire un saut, c'était hyper cool. Ben, elle va sûrement sauter. Mais ça, je pense que c'est elle la plus grosse. En même temps... Comment je vois ça? C'est les plus vénéneuses parce que, l'autre est là, vous voyez, elle bouge. Ouais. Elle est parce difficile que à voir. En fait, ces dendrobates-là sont vénéneuses parce que ils mangent des bébites, mais que dans ces bébites-là, ils ont un peu du venin. C'est pas toi qui dois voir, hein, c'est les vieux. Ouais, mais j'essaie de trouver son où. Il y en a une là, puis il y en a une autre juste en arrière. Ben, en vrai, j'en ai quatre. Mais c'est ça, on a vu deux. Vous voyez l'autre, la petite tête là? Oh ouais, la gueule. Une petite tête. C'est les quatre. T'es-tu capable de trouver le lézard?
Ah oui, parce que j'ai un parce autre petit... Toutes les petits spots jaunes que vous voyez, c'est quasiment toutes des dans le robot. Il y a plus dur à trouver, par contre, ce modèle-là. C'est assez beau comme le terrarium. Ouais, ben c'est toutes des vrais plantes, il n'y a rien d'artificiel, tu sais, de faux. C'est tout vrai. Ben ça me surprendrait que la roche et tout ce que tu serais pas artificiel, mais bon. Je le dis. Le petit bleu, par contre, ça, je pourrais pas vous dire Rio parce que c'est très petit. J'essaie de vous le montrer, la bougie, puis vous montrer le terrarium en essayant de le trouver, mais ça, c'est quand même pas moi qui le vois, je le vois tout le temps. Ça dépend, des fois on le voit, des fois on le voit moins. On le voyait tantôt, et tu sais, c'est-tu là-dessus? Ben, il peut être caché dans les deux fleurs. Ah oui, j'ai trouvé. Attends. Donc là. Je vais vous le montrer. Les fleurs? Les fleurs jaunes? Yeah, est-ce que vous voyez la petite queue ici? Oh, ben oui! Attends. Il est ici, il est tout petit. Non, je le vois pas. Il a bougé? Non, il est là. Coucou! C'est le spot noir que vous voyez ici. Fleur jaune? Non, c'est ça. C'est quoi, c'est la fleur jaune, ça? Ouais. Yeah. C'est ça. C'est comme... Oh oui, il est là! Ben oui, il est là. Oh, il est tout cute. Ben là, on le voit pas beaucoup, mais sinon, normalement, il est bleu. Ouais. Ben moi, on peut lâcher là. Ouais. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà. Deux gecko-léopards. Ouais. C'est quoi le... Ça, je sais pas. C'est quatre grenouilles d'androbates. Quatre phyllobates, un gecko de Madagascar. Deux léopards, puis un gecko à crête. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup. Puis bientôt, ici, deux autres sortes de grenouilles. Non, plus le tétard. Oui, le petit tétard. C'est vraiment c'est juste le tétard normal. Si on fait il y a eu une petite patte qui a poussé. C'est un tétard de dendrobate. On va essayer de le faire bouger. Ben, de phyllobate. Ah oui, c'est vrai, phyllobate. Là, si vous regardez bien, ça se peut que vous voyez deux petites pattes. Oh, les deux pattes qui ont poussé. Il est rendu avec une deuxième. Ouais, donc j'espère qu'il vous l'aime. C'est beau quand ça mais moi, j'ai rien d'autre à dire. Ils ont juste à s'abonner s'ils aiment nos vidéos. Ouais. S'ils veulent d'autres choses, on a d'autres collections qu'on peut montrer. Oui. Ça, c'est mes pieds. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié cette magnifique vidéo. On peut dire que chez moi, c'est un peu un zoo. C'est ça. Bye. OK. Au revoir.